Coucou les amis, de nouveau on se retrouve pour commencer le corps de nos amis les lapins crétins. Alors vous avez fait vos deux pattes identiques. Et maintenant celle-ci je l'ai fermée. La deuxième, vous ne coupez surtout pas le fil, je m'excuse, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez coupé, tant pis, c'est pas grave. Hein. Vous referez un assemblage de fil. Et là, vous allez faire deux mailles en l'air. Ok. Vous allez bien vérifier d'avoir vos deux pattes un droit contre un droit. Et vous allez assembler. Alors, le fil de la patte, là, on va le mettre dedans pour le moment. Et vous allez assembler cette patte dans n'importe quelle maille de l'autre patte de votre lapin crétin. Et vous allez faire donc une maille serrée dans l'autre patte pour assembler les deux côtés. Voilà, ça va vous faire ceci. Et là, vous allez remarquer votre premier point aussi. Vous allez faire le tour des deux pattes. Nous sommes sur le sixième rang. Et vous allez vous retrouver avec 40 mailles serrées. Vous ne coupez surtout pas votre fil. Donc 40 mailles serrées. Donc là, ah ouf, attendez, j'ai oublié le fil bleu. Alors ce fil bleu, veillez bien à ne pas le perdre, à bien installer. Parce que quand vous allez vouloir, si vous ne finissez pas le lapin de suite, hein, que vous voulez le reprendre dans quelques temps, dans quelques jours, admettons, ça sera important pour vous de savoir où vous en êtes, à quel rang, et où est votre première maille. Voilà, donc là, j'en ai une. Voilà, ma première maille. Oups. Et maintenant, je vais faire tout le tour. Je vais le faire en direct devant vous. Et vous allez compter avec moi. Donc ici, vous avez accroché, donc ça fait une maille. On ne fait pas d'augmentation. Une, deux. Bon, je vais compter mentalement. Vous avez compris, vous faites tout le tour. Vous faites exactement comme moi. Ça y est, j'ai perdu le fil, je recompte. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le fil que j'ai là, je vais aller le cacher. Alors vous pouvez le cacher soit vous allez le dans les prochaines mailles serrées, vous allez le cacher dans les points, soit vous le cachez dans la patte, c'est pareil. Donc 14. Alors là, comme vous le voyez,
suis arrivée ici à mon premier point. Et là maintenant, je vais passer de l'autre côté ici. Donc, je vais aller là. Alors, attendez deux secondes. Le temps que je me remette bien, ça c'est tordu. Vous devez arriver à 18.com tout à l'heure. Hein. Faut pas que vous en ayez moins et ni plus. Ok. Donc là, je suis arrivée au début de ma première patte. Et maintenant, donc je vous ai dit... j'arrive à 40 mailles serrées. Attendez, je calcule quelque chose vite fait pour vous. Voilà. Donc vous allez avoir en tout 18,36 plus ici. Alors, il y en a déjà deux. 36, 37, 38. Donc une ici 39 et une ici 40. Donc là où il y a le fil bleu, vous allez aller faire une maille serrée. Et là on va continuer, on va passer de l'autre côté. Alors je... Voilà, si la patte s'est enroulée comme moi, vous la remettez bien droite. Hein, de façon à voir voilà, vos mailles serrées. Moi j'ai une maille en l'air qui se... tourner de nouveau et là sur ces deux mailles en l'air vous allez faire une maille serrée, donc une, encore une deuxième, prenez bien vos deux fils à chaque fois et là et bien comme tout à l'heure, hop. Et bien on continue, on va faire tout le rang maille serrée. Donc je vais regarder de nouveau où j'en suis. Alors, c'est ici mon premier. Alors moi je vais remarquer ici le premier de là. Et là je vais faire le tour. Vous allez voir, c'est très sympa à faire. Il se monte très rapidement. Le corps se monte très rapidement. Après, vous avez les bras, les deux oreilles. Bon, les pattes, vous avez vu, c'est très rapide aussi. Bah, le plus long, ça va être les finitions, si vous voulez qu'il soit... Il y a plusieurs façons de le terminer. Soit... Et puis, si vous voulez pas faire la cape aussi, ça sera rapide. Bon, la cape, c'est moi qui l'ai créée. Je l'ai faite pour l'amigurumi de notre petit. Avec ses initiales dessus. Voilà, arrivé ici. Vous voyez ? Et là maintenant le ventre va se faire tout seul.
Voilà, et là j'arrive au fil bleu, donc à mon premier point de départ. Et donc soit vous faites une maille coulée, mais là moi je vous recommande pas de faire des mailles coulées. Pourquoi? Parce que si vous continuez à maille coulée, vous allez avoir un trait, justement à chaque fois que vous faites une maille coulée, vous allez avoir un trait qui va apparaître sur votre lapin crétin. Si vous voulez pas cela, vous allez faire comment? Vous allez enchaîner directement dans votre marqueur de premier point, par de suite une maille serrée. Comme ça, ça vous évitera ces démarcations que je trouve vraiment inesthétiques. Hein. Je trouve que ça embellit pas le travail, au contraire. Hein. Alors pour un petit amigurumi, je veux bien, ça passe, mais pour un gros comme ça, non. Je trouve pas. Donc maintenant, j'ai 40 points. Peut-être j'en ai un peu plus, je sais pas. Il faudrait que je recompte. Hein. Et là, je vais continuer. Là, vous avez vos deux patounes, comme cela. N'oubliez pas que tout ceci va être rembourré au fur et à mesure. Et nous sommes au rang 6. Alors, je regarde la suite. Alors, celle-là, vous pouvez l'enlever. Le point du départ. Je vous retrouve pour la suite. Le temps pour moi de retransférer le patron. À tout de suite.